Pour être à 100% honnête, il faut que je le dise, plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu des idées suicidaires. Même que moi, j'aurais une tendance à dire que j'ai eu des idées noires. On dirait que je trouve ça moins intense, l'expression avoir des idées noires, que dire j'ai des idées suicidaires. On dirait que j'ai de la misère, là, je trouve que le mot il est comme pam, 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 pam. Et aborder le sujet du suicide, je trouve que c'est bien délicat, mais je trouve que c'est vraiment important. Parce que je me souviens les périodes dans ma vie où j'étais pas bien, où j'y pensais vraiment beaucoup, j'aurais aimé ça qu'on me devine. J'aurais aimé ça qu'on m'explique qu'est-ce que moi je vivais ou qu'est-ce que je sentais. Puis heureusement, il est toujours arrivé quelque chose. J'ai comme été bien entourée ou il y avait des gens autour, mais je trouvais que le mal-être qui m'avait amenée dans certaines périodes dans ma vie à vouloir en finir, c'était vraiment quelque chose que je n'étais pas capable d'expliquer. Puis on dirait qu'aujourd'hui, dans mon cas, là, je ne sais pas pour les autres, mais dans mon cas, c'est que je voulais que la situation cesse. Je ne voulais pas nécessairement mourir ou en finir. J'avais envie que ce que je vivais, mon moment présent, ben, il n'existe plus. Puis je trouve que la question du suicide, j'ai un peu l'impression que c'est peut-être pas tout le monde qui y pense, c'est peut-être pas tout le monde qui a les idées d'eux. Mais j'ai un peu l'impression que ça touche tout le monde d'une quelconque façon. Fait que j'ai décidé de plonger dans le sujet. Ben, j'ai pas vraiment décidé, en fait, parce que pour être bien honnête avec vous autres, il y a une fille qui m'a écrit. Il y a une fille qui m'a écrit qui s'appelle Geneviève Moreau-Blier. Elle m'a écrit, ben, elle dit, écoute, moi, ben, je vais vous faire sa nomenclature tout de suite, dans le fond. Mais là, je l'ai pris en note parce que c'est trop d'informations pour mon cerveau. Geneviève, ça fait 16 ans. OK, qui travaille au Centre de prévention du suicide Accalmie, CPSA à Trois-Rivières. Elle est conseillère clinique auprès d'une équipe de plus de 20 intervenants, en plus d'être accréditée pour offrir la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes pratiques. Elle est diplômée du programme de psychoéducation de l'UQTR. Elle y agit maintenant comme chargée de cours. Puis, dans le cadre de sa maîtrise, elle a développé un groupe Atlas qui vise à mieux soutenir les proches des personnes suicidaires et qui se retrouvent aujourd'hui dans l'offre de services du CPSA. Non, mais quand même, là, tu sais, on ne parle pas avec n'importe qui. Elle est passionnée par son travail, là, Geneviève, évidemment, ça paraît. Ah, son téléphone sonne, c'est pas grave. Elle est passionnée par son travail, puis pour elle, c'est vraiment important de faire la prévention, puis elle souhaite que ça soit un sujet moins lourd. Fait que quand elle m'a abordé pour dire, ça te tente-tu qu'on parle du suicide? Au début, j'étais comme, non. Puis après, je me suis dit, ben oui, tu sais, c'est l'idéal de pouvoir parler de ça avec une professionnelle. Puis, peut-être qu'elle va nous en parler, Geneviève, tantôt, mais elle avait même écrit des textes sur Facebook pour communiquer ses propres idées qu'elle avait déjà eues plus jeune. Fait que j'étais comme, bon, ben je me sens en confiance de pouvoir parler avec quelqu'un qui, tu sais, peut-être qu'il a déjà vécu ou qui a déjà eu ces idées-là. Bref. Je sentais que c'était la personne adéquate aujourd'hui pour nous parler de suicide. Puis, ben, elle avait l'air le fun. Fait que je me dis, bon, ben, ça sera pas lourd. Tu sais, ça va rester, j'irai avec le mot chummy, chummy. Ça va rester chummy, chummy. C'est pas un qualificatif, mais ça va servir pour aujourd'hui. Donc, vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Gamay. Je suis très heureuse de vous présenter l'intervenante d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on va nous mettre ensemble pour accueillir Geneviève Moreau-Blier. Salut Geneviève. Salut Mélanie. Premièrement, là, merci de m'avoir proposé, suggéré de m'accompagner dans le sujet du suicide. J'y aurais pas été par moi-même, je pense. Je l'avais en tête, mais je le repoussais depuis vraiment plusieurs mois, là, tu sais, pour ne pas dire, ça fait au moins un an que je suis comme, ah, un autre fois, un autre fois. Fait que merci. Ça me fait plaisir. Là, j'ai fait une nomenclature. J'ai lu ta bio parce qu'il y a, tu sais, il y avait trop. Je voulais le faire comme il faut. Je trouve ça intéressant de savoir que ça fait 16 ans que tu es dans ce milieu-là. Tu as l'air d'avoir un parcours quand même assez complet. Puis je sais que c'est ta passion, justement, de rendre ça plus léger ou accessible. Ah! Par où qu'on prend ça, le thème du suicide, Geneviève? Excellente question. Par où qu'on prend ça? Ben, il y a tellement, j'ai envie de dire, d'entrée pour aller vers ce sujet-là, dans le sens où que ça reste quand même que c'est un sujet plus complexe qu'on pense.
des fois, ben, surtout, j'ai l'impression, des fois, dans les médias, quand il va être question d'un suicide, on va beaucoup miser sur un élément très particulier, une rupture, une perte d'emploi, un traumatisme. Et pourtant, ben, souvent, ça, c'est juste la pointe de l'iceberg, là, parce qu'il y a vraiment bien, bien d'autres choses qui se cachent en arrière de ça. Fait que c'est ça, dans les médias, on va dire suite à une rupture, suite à tel événement, comme si c'était ça la raison. Tout à fait. Ah, OK. Fait qu'on va souvent parler de suicide en se disant c'était pourquoi. Mm-hmm. Comme si c'était qu'une raison. Mais souvent, il y en a plusieurs. Ça n'est pas juste une. Okay. Parce qu'une personne qui va arriver à penser au suicide, elle va souvent avoir différents stresseurs dans sa vie qui vont jouer un rôle. Il y a des personnes qui, évidemment, quand ils vont, dès leur naissance, malheureusement, vont vivre toutes sortes de négligences, d'agressions, de traumatismes. Donc, évidemment, ça va être un bagage quand même très lourd là, pour eux. Versus, il y en a d'autres que, pendant une bonne partie de leur vie, je veux dire, ça va avoir bien été, tout va avoir été quand même assez cool, j'ai envie de dire. Puis là, tout d'un coup, arrive vraiment un grand événement. Puis là, pop, là, les mécanismes d'adaptation, là, étant donné qu'ils n'ont jamais eu réellement à s'adapter à de gros événements, là, c'est comme s'ils perdaient tous leurs moyens, en fait. Là. OK. Puis tu sais, tantôt dans le préambule, je disais que moi, ça m'était arrivé dans ma vie à plusieurs reprises d'avoir envie d'en finir. Là, mais avec le recul, puis avec thérapie plus tard, là, je suis allée chercher de l'aide, évidemment, mais c'est pas nécessairement ne plus vivre qui était mon objectif. C'était comme que le moment présent, ça soit plus ça. Est-ce que c'est ça pour tout le monde? Ou il y a des gens qui... Ben, peut-être que ça se pose pas comme question, je sais pas, mais... Non, mais c'est comme bizarre. Mais mettons, là, tu me diras. Tu sais, y en a-tu qui, c'est juste, ils veulent en finir. Faut que la vie cesse. Ben, moi, je pense que la majorité des gens que j'ai rencontrés, c'est vraiment arrêter de souffrir. Ça. Parce que si on leur demandait, je vais arrêter ta souffrance-là, là, elle disparaît, là, elle est plus là, là. Parce que puis la majorité vont dire oui. Là. La majorité vont dire oui. C'est vraiment la souffrance qu'on a besoin d'arrêter à un certain moment. Souvent, je vais entendre des « Ah, si je pouvais m'endormir et pas me réveiller avant un bon 6 mois, là, je serais content. » C'est la même phrase que j'ai déjà dit. Hein? Ouais. Ben, tu sais, ça arrive. J'ai un peu l'impression que quand... En tout cas, je vais parler de moi parce que je ne veux pas généraliser ou je ne veux pas insulter personne. Mais mettons, quand moi, je me suis sentie que j'en pouvais plus, j'avais hâte que ça finisse, puis j'étais vraiment tannée. Là. Oui, évidemment, je voulais comme au pire m'endormir pour 6 mois, mais tu sais, c'est quand même gênant. C'est comme humiliant d'être autant à terre. Mm-hmm. Fait que moi, je me souviens que je trouvais ça humiliant, gênant, j'avais honte, mais je n'étais pas capable de le dire à cause que c'était gênant puis humiliant, mais je n'étais pas plus capable de me relever, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'était comme un servicieux de « j'ai trop honte d'en parler, je suis à terre, je ne suis pas capable de me relever, mais j'ai honte d'être à terre, fait que là, je ne peux pas le dire que je suis à terre. » Tu sais, c'était comme « je t'ai pris ». Oui, ben, tu sais, j'ai envie de dire quand même qu'on est beaucoup dans une société d'image, de performance, puis admettons qu'on regarde, tu sais, au niveau des statistiques, là, il y a beaucoup plus d'hommes hein, qui se suicident que de femmes, puis les sentiments de honte et d'humiliation que tu nommes, c'est des sentiments vraiment qu'il faut considérer quand justement on intervient auprès des hommes suicidaires. Parce que c'est souvent ces sentiments-là qui vont les amener là, à poser des gestes là, irréparables. Fait que, ça me surprend pas. Puis en même temps, mais quand on parle autour de nous, autant moi, tu sais, tu l'as nommé, j'ai traversé cette période-là. C'est sûr que j'étais plus jeune, mais tu sais, je vais prendre un exemple d'il y a à peine quelques années. Moi, j'ai
quand j'ai terminé ma maîtrise, je me suis retrouvée avec de l'anxiété, là, fois mille. Il y avait plein d'affaires que je faisais que je n'étais plus capable de faire parce que là, je devenais anxieuse, j'étais mal, j'avais peur. Puis, quand je me suis mis à parler autour de moi de cette anxiété-là, j'ai été quand même assez surprise de voir à quel point je n'étais pas seule. Puis que justement, les gens s'ouvraient à moi en disant « Ah ouais, mais moi, ça, ce que tu racontes, moi aussi, ça m'arrivait. » Quand tu dis que t'es plus capable d'aller au restaurant parce que là, tu sais pas, tu sais, c'est de l'inconnu, puis tu sais plus qui tu vas voir, ben moi aussi, ça m'est arrivé à un moment donné. Fait que c'est ça. C'est que des fois, on a vraiment peur, puis on a vraiment honte de démontrer cette vulnérabilité-là. Ouais. Pourtant, il y en a bien plus qu'on pense qui vivent cette vulnérabilité-là. J'ai lu dernièrement un livre de Brené Brown qui s'appelle « Dépasser la honte ». Je ne sais pas, c'est parce que je viens de faire le lien. Là. Puis dans le livre de Brené Brown, elle raconte que dans ses études cliniques, je ne sais pas si tu la connais, Brené Brown. Non, je suis une grande fan. Brené Brown, là, Brené Brown, c'est une chercheure en travail social américaine qui a fait un TED Talk, ça a été mis sur YouTube, puis sa vie, elle a comme complètement changé. Puis là, elle parle de toutes ses recherches et elle écrit plusieurs livres, dont le dernier qui est « Dépasser la honte ». Puis j'ai lu ce livre-là en vacances. Une très belle lecture de vacances, là. C'était un drôle de choix, mais bref. Puis elle expliquait que dans ses recherches, elle a réalisé que quand la honte envahit les gens, la seule, une des meilleures façons de travailler ça, c'est d'aider la personne à devenir consciente qu'elle n'est pas seule comme ça. C'est que souvent, la honte est comme nourrie par « les autres sont pas de même ». Mais c'est ça, c'est que quand les gens ils devenaient conscients de « ah, OK, dans leur groupe autour d'eux, même leurs amis, les gens du quartier, il y en avait d'autres qui vivaient ça », que ça désamorçait vraiment beaucoup. Fait que j'imagine, sais-tu une technique qui est utilisée dans la prévention ou l'accompagnement des gens qui ont des idées suicidaires? Je dirais qu'en prévention du suicide, là, l'angle qui est pris, c'est vraiment aider la personne à retrouver de l'espoir. Fait de lui refléter que non, elle n'est pas seule, qu'il y en a d'autres qui vivent ça, ben, je pense que oui, ça va être une façon de redonner de l'espoir à la personne. Mais vraiment, on essaye beaucoup plus de mettre en lumière les moments où ça a été un peu moins tough. Les moments où que la personne, malgré qu'elle vivait des trucs super difficiles, elle a réussi à passer au travers. On va vraiment aller vers ça, puis aussi vers un avenir qu'on souhaiterait. Avoir une image de, ben tu sais, si je dors 6 mois, là, puis ça, j'avais déjà fait avec un résident là, qui m'avait dit ça. Si je me réveillerais dans 6 mois, OK, on dit que tu te couches, tu dors pendant 6 mois, puis tu te réveilles, puis tout est réglé. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en te levant? Ouais. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui est différent? Comment les gens voient que le pire est passé? On va être beaucoup plus là-dedans que, par exemple, d'aller travailler les sentiments de honte, de culpabilité, parce que, ben, dans des moments de crise, surtout, là, c'est que c'est beaucoup trop long. Des fois, c'est profond, hein, ces sentiments-là de honte, de culpabilité. Fait que c'est pas parce que je veux pas les travailler, mais c'est qu'à un moment donné, c'est pas la... long, puis on veut des résultats rapides, en fait, en prévention du suicide. On veut que la personne, comme on dit, elle sorte sa tête de l'eau rapidement là, pour pas se noyer. Ouais. Et t'as parlé d'espoir tantôt. T'as dit on focus beaucoup sur l'espoir, t'sais, retrouver l'espoir. C'est vrai. C'est vraiment ça. Quand t'es à bout puis que t'en peux plus, c'est que t'as pas d'espoir. Mm-hmm. C'est fou l'espoir, à quel point c'est important dans notre vie, je trouve, là. Oui, puis, tu sais, il faut pas... le but, là, c'est pas de dire l'espoir, hey, je veux voir un monde rose avec des licornes puis des petits papillons partout, là, c'est pas ça, là. Mais c'est de reprendre confiance qu'on a la capacité de passer à travers ce qui nous fait mal. C'est aussi de prendre conscience que la souffrance, là, c'est normal, tout le monde a de la souffrance à différents niveaux. Des fois, il y en a qui vont vivre ça, ça va être tout le temps en bas, mais sincèrement,
il y en a combien que c'est vraiment tout le temps bas? À un moment donné, wow, ça va arriver plus haut. Mm. Moi, je me souviens, là, parce que ma période, admettons, quand j'étais plus jeune, là, réellement, je me souviens plus tant de cette souffrance-là. T'sais, je pense qu'à un moment donné, tu passes comme par-dessus, ouais. Puis... Mais quand que... En 2017, moi, ma mère est décédée, puis c'était ma meilleure amie, puis ça m'a vraiment fait de la peine, puis j'ai eu très, très mal. Ça m'a pas amené des idées suicidaires, mais j'avais mal. Tu sais, une grosse... Je sentais comme une grosse blessure à mon cœur, là, ouverte, là, qui faisait mal. Puis là, je me suis dit, oh my God! Je me suis remis dans la peau d'une personne suicidaire, puis je suis comme, si cette personne-là, elle sent continuellement ça, j'arrive à comprendre que elle arrive à y penser. Mais c'était ça, my God, c'est ce qui est tough avec les idées suicidaires, la santé mentale. C'est ce qui nous fait mal. On a de la difficulté à le représenter parce que, ben, c'est pas un bras cassé. Là, je suis pas, tu sais, puis ma tête n'est pas dans le plâtre, là. fait que c'est pas écrit dans le front de personne, là, quand on a de la dépression, des idées suicidaires. Tu vois, tu dis quelque chose que je trouve bien, bien important, là. Mais on dirait que dans ma vie personnelle, le fait d'avoir touché à cette douleur-là fait que je ne pourrai plus jamais juger quelqu'un qui a des idées suicidaires. Tu sais, parce qu'il y a des idées préconçues, puis on pourra en parler. Je sais que tu as une liste là, de choses, tu sais, de fausses croyances qui entourent tout ça, mais jamais je pourrais juger quelqu'un qui a des idées suicidaires parce que je me souviens, tu sais. Moi aussi, j'ai perdu ma mère il y a quelques années, puis j'avais perdu un chum avant. Fait que, tu sais, dire « reste assez », puis la douleur est tellement vive, puis j'arrive vraiment à comprendre comment quelqu'un arrive à s'enlever la vie. Puis je peux pas juger ça, puis je me dis hey, « je comprends, c'est qu'à un moment donné, trop, c'est trop. » Mais je comprends aussi que trop, c'est trop. Avant d'être dans cette zone-là, l'espoir, c'est que quand tu es dans le trop, c'est trop, c'est qu'il n'y a même pas d'espoir. C'est qu'il n'y en a comme plus. C'est comme qu'il n'y a pas nécessairement de raison de s'accrocher aussi. Puis tu sais, tantôt, tu disais, on va aller voir dans, tu sais, OK, si c'était 6 mois plus tard, si la personne, elle va dire les mots, j'aimerais ça me réveiller dans 6 mois, elle va dire, j'aimerais ça en finir, OK, si tu pouvais en finir, tu sais, qu'est-ce que, comme, là, je sais bien que je ne peux pas te demander c'est quoi tes plans d'intervention, mais en même temps, quelqu'un qui est comme vraiment, mettons, sec de l'intérieur, là, puis qui ne se connecte à plus rien, qu'est-ce que tu fais? Ben, des fois, c'est vraiment d'aller à, j'ai envie de dire, à base, là. Tu sais, quand on évalue, on estime une personne, là, la dangerosité d'une personne, là, on va aller voir différents critères. Évidemment, on va aller voir de la planification, est-ce qu'elle a déjà fait des tentatives, on va aller voir son espoir, est-ce que la personne a des proches, est-ce qu'elle consomme, on va aller voir la capacité à prendre soin de soi aussi, puis la capacité à se contrôler. Puis, tu sais, pour moi, la capacité à prendre soin de soi, oui. Même si dans tous nos critères, c'est comme la dernière, je trouve tellement qu'elle est importante. Parce que quand la personne, elle dort plus, elle mange plus, elle a plus d'énergie, etc., c'est peut-être cette base-là, tu sais. Sûrement que tu as déjà vu ça, hein, la pyramide des besoins de Maslow. que moi, je la trouve importante, la pyramide des besoins. Ouais. Parce que, tu vois, les besoins physiques sont importants. Ouais. Puis, on a des personnes que, à cause de leur parcours, à cause aussi de leurs problématiques en santé mentale, les idées suicidaires sont vraiment régulières et depuis longtemps. Puis quand ça augmente plus, bien souvent, moi, je vais leur demander comment ça se passe en ce moment. Le sommeil, l'alimentation, la prise de médication. Oui, c'est ça. Ça va parler pour tout le reste. C'est ça, c'est clé. Bien, c'est drôle, parce qu'avec Mélanie Consul, je commence à faire des liens avec tout le monde avec qui je parle. Là. De toute façon, là, ça se fait tout seul, mais ça me revient. Là, je l'ai eu, la conversation, que la base de tout, c'est de combler ses besoins de base. Oui, puis c'est malheureusement, c'est que justement, parce que tu sais, quand on est suicidaire, le suicide, là, tu sais, avoir des idées suicidaires, c'est pas un diagnostic. Souvent, c'est quand même un symptôme de certains troubles, dont la dépression.
Puis, mais dans la dépression, il n'y a pas juste ça. Puis, il y a aussi, à un moment donné, un manque de motivation à faire les choses qu'on doit faire habituellement, là, tu sais, Ouais, ouais. dans le prendre soin de soi, le prendre soin de soi de base, là. On n'a plus le goût de manger, on n'a plus faim. Des fois, il y en a que ça va être le contraire, là. Ça va être justement, les émotions vont passer aussi par manger, mais peut-être pas. J'ai envie de dire, peut-être pas sainement. Ouais, tu vois, ça me revient. Moi, je me souviens, dans une des périodes, j'avais perdu mon copain dans un accident d'auto, puis je ne mangeais plus. Je ne faisais que fumer des cigarettes puis boire du café. Je mangeais plus. Je ne brossais même pas les dents. Tu sais, ça a pris genre une couple de semaines avant que je ressorte de là. Tu sais, plusieurs jours, là, puis même ça m'avait pris 36 jours avant, me semble, avant d'écouter de la musique. Tu sais, il y avait comme. J'étais pas là pantoute. Tu sais, j'étais en état de choc. Mais tu sais, les besoins de base n'étaient pas comblés, là. Non. Non. Mais tu vois, j'ai un. Ça, je sais pas si c'est comme tout en lien, tu sais, mettons. On vit des choses, on manque d'espoir, on trouve ça dur, on voit pas le bout, on est écœuré, on veut que ça cesse. On est peut-être un peu moins motivé à répondre à nos besoins. Le fait qu'on répond pas à nos besoins, ben c'est pire. Oui. Fait que. Je pense que c'est à un moment donné, c'est ça, c'est que c'est une roue qui tourne. C'est ça, c'est ça. Parce que là, si j'ai pas l'énergie, puis que je m'organise pas pour avoir de l'énergie, ben je continue à pas manger Ouais, et mais dormir. quand t'aimes pas trop la vie, tu te dis pourquoi j'aurais de l'énergie dedans, tu sais. Exactement. Fait que t'arrives Parce à que... te convaincre de pas répondre à tes besoins. Tout à fait. Puis tu sais, tantôt, tu disais par rapport à l'espoir, là, la personne, tu sais, quand elle n'en a plus, mais j'ai envie de dire, la personne en a toujours. Ah oui? Oui. C'est juste qu'elle ne le voit plus. Ah ben j'aime ça savoir ça. Il y en a toujours, mais c'est juste qu'à un moment donné, parce que là, tu portes des lunettes, comme on dit, noires, là, vraiment noires, vraiment sombres, là, ben, elle voit juste plus. Il est où cet espoir-là? Ouais. Il y a une image qu'on donne en formation, là, c'est un peu comme un journal. Tu sais, un journal, là, la première page d'un journal, ce que tu trouves, c'est souvent les mauvaises nouvelles, les drames, les accidents, etc., etc. Ouais. Puis il va falloir que tu tournes beaucoup de pages avant d'arriver sur quelque chose de beau ou de positif ou... Ça peut prendre du temps, là. Mais des fois, on a besoin que, justement, il y ait des gens, que ce soit des intervenants ou que ce soit des proches, qui soient là pour dire, non, regarde, là, il y a ça, là. Ouais. Ça, c'est encore Ouais. correct, là. Ça, c'est Ouais. encore... C'est drôle, j'ai un souvenir, j'ai une amie, Manu, j'étais dans une mauvaise passe, puis elle disait, tu sais, le soleil, il est toujours là, même s'il y a des nuages. Puis j'étais comme, bon, faut que je me raccroche à ça. Puis je m'étais fait un dessin du soleil que j'avais mis sur mon mur pour que quand ça monte, je suis tannée, tu sais, que je fais, le soleil est encore là, le soleil est encore. Tu sais, fait qu'en tout cas, mais je comprends quand tu dis plus loin dans le journal, le mot, elle avait pris le soleil avec les nuages, mais on s'en Ben oui, mais va. c'est excellent comme image, là. Vous autres, il y a l'image aussi de la boîte, là. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'une personne suicidaire va être assise dans une boîte, t'sais, une boîte fermée, là. Fait que dans une boîte fermée, ben, il fait sombre, tu te sens pas bien, tu vas te sentir peut-être impuissant, restreint. Mais à un moment donné, ça, t'sais, puis là, peut-être qu'elle remarque pas toujours, il arrive des moments où, oups, t'sais, elle sort de la boîte. T'sais, puis elle dit, ah, je suis peut-être capable encore de passer au travers, t'sais, mais des fois, ça va être des courts moments que tu es tellement là-dedans que tu te dis, ben, je les ai plus ces moments-là. Mais c'est toujours là, un peu comme, puis à l'inverse, t'sais, moi, il y a une image que je mets souvent, c'est, tu sais, selon des théories, je pense que c'est plus dans la psychanalyse, mais on a toute une espèce de vie et mort à l'intérieur de nous, là. Fait que, ben, il y en a que, tu sais, l'aspect plus de mort, c'est pas quelque chose de conscient pour eux, mais c'est
ça que tu vas utiliser pour, exemple, faire des sports extrêmes, faire des choses qui pourraient mettre ta vie en danger, mais sans Ouais, c'est avoir une idée de ça. Juste, ça, tu vas avoir un boost d'adrénaline. Toi, tu te dis pas, ben, je vais faire du saut en parachute parce que j'ai envie de mourir, là. C'est pas ça du tout, là. Tu vas faire non, c'est ça, du saut en parachute. c'est pas la même drive là, c'est pas la même intention non plus là. Non, non, mais c'est juste pour dire que ça te prend ça, ce petit bout-là, qui n'est pas conscient, mais qui te donne la drive puis le go de le faire, versus une personne suicidaire qui, elle, la partie qui veut mourir, qui veut plus vivre est immense. Mais il y a quand même une petite affaire qui veut vivre. Ouais, Puis c'est qui ça. va demander de l'aide ou qui va envoyer des signaux, même si ces signaux-là sont pas tout le temps clairs pour le monde, elle va envoyer des flags, là. Allô, il y a quelque chose qui se passe, ça marche pas, je vais pas bien. Ouais, est-ce que c'est tout le monde qui va émettre des signes ou le dire ou est-ce qu'on peut s'en rendre compte, mettons? Mettons qu'on côtoie quelqu'un, là, puis la personne est suicidaire, mais elle n'en parle pas. Y a-t-il des signes extérieurs qu'on peut faire? Ah, j'ai un petit doute sur son état actuel. Des fois, c'est pas facile. On va se le dire, là, des fois, c'est pas facile de le remarquer. Puis, moi, j'ai l'impression que, puis même moi, ça m'arrive des fois, là, plus avec mes proches, là, parce que je veux pas, je travaille en prévention du suicide, fait que dans mon travail, je veux dire, j'ai aucun malaise à poser la question de ça, mais des fois, autour de moi, avec mes proches, j'ai plus de difficultés, mettons. Parce que, dans la vie, moi, j'ai pas envie que mes proches pensent au suicide. Ah oui, c'est ça. J'ai pas envie qu'ils souffrent. J'ai pas envie que. Fait que des fois, t'oses t'imaginer qu'eux autres penseront pas ou qu'ils penseront jamais à ça. Fait que des fois, il y a des signes que tu te dis, ben, c'est peut-être pas un signe. Mais si la personne, elle devient plus irritable, tu sais, quelqu'un qui devient plus irritable, ça peut être différentes choses, là. Ouais. Moi, dernièrement, là, je vais changer de contraceptif. Puis la fille, elle m'a dit, tu peux devenir plus irritable. Bon, fait que, tu sais, il y a d'autres choses qui font en sorte que tu peux devenir plus. L'isolement. Tu sais, souvent, ce qu'on dit, c'est les changements de comportement. Là. Fait que, Ouais. tu as un exemple qui était extraverti, puis que c'est ça qui devient beaucoup plus introverti, qui est plus OK. isolé, etc. Ben ça pourrait être un signe. À l'inverse, une personne qui était peut-être plus renfermée sur elle, puis là, qui tout d'un coup décide d'aller voir plein de monde, etc., ça pourrait être un signe. Une personne qui était désorganisée, qui devient organisée, on pourrait aussi en avoir un, mais réellement, quand tu prends ça tout seul, tu te dis, oh mon Dieu, elle est en train de penser au suicide, pas en tout. Ben non, jamais. Puis en plus, tu l'as dit d'entrée de jeu, on souhaite jamais que les gens autour de nous aient ça. Fait que ça doit être excessivement difficile de s'imaginer ça puis de le demander. Oui, puis c'est pour ça que souvent, il y en a qui disent, ah, ça arrive sans avertissement. Les personnes, là, Ouais. qu'ils font, ils le disent pas. Je suis pas d'accord, tu sais. Mais souvent, c'est que les personnes vont laisser, c'est un peu comme un casse-tête, en fait. Ouais, c'est Fait ça. qu'ils vont laisser des morceaux de casse-tête autour d'eux à des personnes. Puis là, une fois que malheureusement la personne va être décédée, puis que ces gens-là vont se parler, oups, le casse-tête va prendre forme, puis ils vont faire, oh mon Dieu, tu sais. On l'a tellement, tu sais, c'était là, mais on l'a tellement pas vu venir. Ouais. Il y en a, tu sais, que des fois on va s'y attendre versus des problématiques qu'on connaît, etc. Mais il y en a d'autres que c'est ça va être vraiment des petits bouts de casse-tête. Puis en plus, tu sais, c'est pas tout le monde qui va dire effectivement, je pense au suicide. Il y en a qui, à cause de la honte, puis la peur aussi de comment ils vont être reçus, ben, ils n'oseront pas le dire. Des fois, ça va être des messages indirects, vraiment de. Ça va être plus des je t'aboute. Je t'aboute de cette vie-là. J'ai hâte qu'il se passe autre chose, mais tu sais, derrière ça, qu'est-ce qui se cache? Ouais, c'est ça, c'est que des fois, on n'ose pas aller en profondeur avec les gens autour de nous, tu sais. Ça dépend de la proximité, j'imagine, mais. Oui, ça dépend, effectivement. Moi, Ouais. l'exemple là, que j'ai, c'est quand justement ma mère est décédée, là. Puis là, c'est pas un reproche à mon équipe que j'adore, là, mais il y en a juste une de mes collègues qui m'a demandé si ça me donnait des idées suicidaires. Ah ouais. Ouais.
Ça m'en donnait pas une chance. Ouais. Ça, des fois, je me dis, moi, je suis quelqu'un quand même de très ouvert sur ma personne. Là. Souvent, je dis que c'est ça. Si j'ai un jardin secret, il n'y a pas grand monde. Ben, même moi, je ne le connais pas, enfin. Là. Mais, fait que peut-être que les gens prennent pour acquis que si j'en ai, je vais le dire. Ouais. Et pourtant, ben, peut-être que ce serait mon changement de comportement. Ouais. Mais tu sais, ça m'amène à une réflexion. Tu es dans le milieu, il y a juste une personne qui l'a fait. Pour bien des gens, une personne qui le fait, c'est déjà énorme. Ça m'amène à penser à ce que la prévention du suicide, je trouve ça quand même particulier parce que je me dis, si on a de la misère à dealer avec pendant que quelqu'un est en crise ou que quelqu'un dans notre entourage vit quelque chose, la prévention, c'est comme parler de quelque chose qui se pourrait, qui n'est pas vraiment là, mais qui se pourrait. Tu sais, moi, tu me dis, mettons, je suis un enfant, tu me dis, mets pas ton doigt sur le rond de poil, il est chaud, mais je ne sais pas trop c'est quoi ce chaud. Moi, il est touché pareil, tu sais. Fait que là, tu vas me parler de prévention du suicide quand je ne sais pas c'est quoi le mal-être ou l'écœurantite aiguë qui pourrait m'amener à avoir des idées suicidaires. Tu sais, je trouve que c'est bizarre comme de parler quelque chose de conditionnel quand tu ne sais pas. Ben, des fois, il y en a quand même hein, qui n'ont jamais d'idées suicidaires de leur vie. Là. Réellement, je ne connais pas les pourcentages à ce niveau-là. Ça se peut qu'il y en ait qui ne traversent jamais ces idées-là. Puis, comme on dit, hein, c'est très correct. C'est pour un passage obligatoire. Mais après, en même temps, c'est ça, personne n'est à l'abri parce que, ben, même si, par exemple, pendant 40 ans, j'en ai pas eu, mais il n'y a rien qui dit que c'est ça. Parce qu'il y avait eu des recherches, là, c'est Monique Séguin, qui est chercheuse là, en prévention du suicide, qui elle avait fait vraiment des trajectoires de vie de personnes suicidaires. Yeah. Puis, ben, là-dedans, il y avait les trajectoires vraiment de ceux qui naissent dans la négligence, malheureusement. Après ça, il y en avait que, sans que ce soit à la naissance, elle arrivait quand même à un très tôt. Puis c'est ça, il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus difficiles à expliquer, mais que, c'est ça, ça arrivait plus dans la quarantaine, cinquantaine. Puis c'est ça, c'était probablement des gens qui n'avaient pas nécessairement eu d'idées suicidaires, puis que là, tout d'un coup est arrivé une succession d'événements qui a fait en sorte que il n'y avait pas nécessairement les bons outils, les bons mécanismes d'adaptation pour pouvoir les traverser ou tu sais, qui n'ont jamais demandé d'aide. Fait que là, rendu à 40, 50 ans, demander de l'aide à quelqu'un, c'est comme tout. Parce que c'est difficile aussi de demander de l'aide, là, c'est pas facile. Là. Ben non. Pas facile. Mais quand on comprend que c'est pas si difficile que ça, je trouve, ça devient facile rapidement. Mm-hmm. Parce que c'est une fausse croyance qu'on a que c'est pas facile, parce que c'est pas dur. Là. Non, non. C'est parce que je pense que ça devient difficile de demander de l'aide quand on passe notre temps à demander de l'aide aux mauvaises personnes. Tu sais, je veux dire, il y a des amis, ils sont bien smart, mais ils n'ont pas le support, ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas l'empathie, ils n'ont pas, tu sais, ils n'ont pas ce qu'on a besoin, mettons, quand tu es dans un moment difficile. Mais prendre l'habitude ou développer un canal pour aller chercher de l'aide à quelqu'un qui va être outillé pour ça. Là, ça devient facile. Mm-hmm. Oui, puis moi, c'est ça, je sais que je suis allée en chercher très jeune. Fait que même si je. Mettons qu'on dit que j'aurais aimé ça pour avoir les problèmes que j'ai eus plus jeune, je suis contente de les avoir eus parce qu'au final, aujourd'hui, je suis capable de demander de l'aide facilement. J'ai pas de honte. Tu sais. Mais ceux qui n'ont jamais demandé, c'est ça, c'est comme. Ben, comment je vais être reçue. Puis effectivement, tu parles des fois des gens autour d'eux que « Ah ouais, là, t'as juste à te botter le cul puis tu vas t'en sortir. » Ou les phrases, là, des fois, toutes faites. « Un de perdu, 10 de retrouvé. » Moi, ça, on m'a déjà dit. J'attends toujours les 10. Je sais pas si toi, t'es attends. Là, mais... aussi, on m'a déjà dit ça. Ça m'avait choquée. Mais j'étais tellement, genre, surprise qu'on me dise ça. J'étais pas choquée, genre, fâchée. J'étais choquée, genre, « Quelqu'un... » Comment ça peut être une fois? Mais en même temps, je
l'autre personne, elle vivait pas une très belle période non plus. Fait que je peux comprendre que, tu sais, c'est des mécanismes de défense, de phrases toutes faites qui sortent, tu sais, mais c'est pas nécessaire. C'était pas la personne pour m'accompagner dans mon besoin de ce moment-là, tu sais, clairement. Mais c'est drôle parce que l'autre fois, j'en parlais avec mon directeur, avec mon patron, puis lui, il me disait, mais tu sais, moi, dans la vie, Geneviève, là, il dit, ça me fait du bien, moi, de me dire ces phrases-là. Tu sais, mettons, lui, quand il avait vécu à un moment donné une rupture, ça il avait il fait du bien à lui de se dire, c'est pas la seule femme sur la planète, là, je sais plus c'est quoi la phrase, là, mais tu sais, je sais pas combien d'êtres humains sur la planète, là, fait que... Ouais, je comprends. Mais tu sais, je pense que ces phrases-là, oui, pour nous, tu sais, c'est comme moi, là, quand, mettons, je suis down, puis là, le soleil est toujours là, c'est crise de phrase à la marde, mais il y a quelque chose de, tu sais, je pense que ça, c'est comme quand on bitch nos parents, tu sais, on peut bitcher nos parents, nous, mais faut pas que les autres le fassent, tu comprends? Mm-hmm. J'ai un peu l'impression que ces petites phrases-là, c'est, on peut se dire, nous, mais viens pas me dire ça, là, non, moi, c'est perdu de se retrouver. Je pourrais me battre pour moins que ça, là. Voyons donc, c'est fâchant. Ouais. Souris, parce que des fois, là, c'est... Souris, comme voyons donc. Lève-toi le matin en te disant que... Mais oui, c'est ça. Et si tu te lèves du mauvais pied, retourne te coucher, puis ressors de l'autre bord du lit, puis t'es comme, arc, non, 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 non. Mais tu vois... À la lumière de ce qu'on dit, c'est vraiment un manque d'empathie, moi, je trouve, des petites phrases de même. Parce que, puis en même. Mais je dis pas que la personne n'a juste pas d'empathie tout court, mais je dis que c'est un manque de considération de ce que l'autre va sentir, mettons. Puis des fois, on est comme, ah, je vais juste me débarrasser de ça, je sais pas, m'en sortir, mais c'est tout fait. Je sais que l'intention n'est pas mauvaise. Je le sais. Mais. C'est pas nécessairement tout le monde qui est outillé de dire à l'autre tu te sens comment, puis d'être à l'aise de recevoir que la personne se sent comme de la merde. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il est là. C'est pour ça qu'elle est demander de l'aide à des gens qui savent quoi faire avec ça ou qui sont capables de l'accueillir. Ça devient plus facile, ça devient beaucoup plus simple. Parce que tendre des perches à des amis qui ne sont pas outillés, qui ne savent pas plus quoi faire, que si eux autres ils vivaient la même affaire que toi, ils ne sauraient peut-être pas plus quoi faire avec eux-mêmes. T'sais, ils peuvent pas nécessairement nous aider. En même temps, je pense que, tu sais, moi, j'ai l'impression quand même que si le proche est assez ouvert pour dire, ben peut-être que ma façon d'agir ou d'intervenir n'est pas la bonne, ouais. Là, je vais aller me chercher des outils parce que, au final, ben, comme dans mes services, mais la majorité des services en fait en prévention du suicide, oui, c'est pour les personnes suicidaires, mais c'est aussi pour les proches, pour être capable de leur donner des outils, de dire justement comment accueillir ça, comment donner un peu d'espoir, comment aider la personne à s'en aller vers des ressources là, peut-être plus adaptées. Mais un proche, pour moi, en tout cas, c'est ultra important. Et oui. Après ça, on peut justement dire, ah, tu sais, ça, ce genre de phrase-là, ça serait peut-être à éviter, tu sais. Oui, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit que ça, la personne a pensé au suicide, puis que dans le fond, il est arrivé, puis il a fait « OK, bien temps, on va le faire ensemble pour la provoquer, pour essayer de... » Ouais. C'était pas dans de mauvaises intentions, là. C'était vraiment pour checker la personne. Ouais. Mais c'est quand même risqué de faire ça. un peu. Ouais. Je comprends. Puis tu vois, tantôt, je me questionnais beaucoup sur la prévention, mais ben, je trouve ça bizarre, comme prévenir, mais de quelque chose que tu ne sais pas comment tu vas te sentir, je trouve ça vraiment bizarre, mais je comprends à quel point c'est utile pour tout ce qui est autour aussi. Mm-hmm. C'est comme des connaissances qu'on finit par intégrer, puis à un moment donné, si on fait « Ah oui, OK, j'ai déjà entendu parler de ça. » Puis à travers... Oui. On offre des services d'endeuillés pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, une personne endeuillée par suicide. Mais là aussi, ça naît de la prévention parce que malheureusement, il y en a que, tu sais, quand ils vont avoir un proche, moi, je fais un suivi de deuil en ce moment, puis la personne qui avait eu des idées suicidaires, là, elle fait « OK, là, ça vient de me réveiller sur tout l'impact que ça a. » Puis, Quand je la rencontre, elle me dit qu'elle n'a pas eu à nouveau d'idées suicidaires, des choses comme ça. Ça a vraiment été... Fait qu'il y en a là, que ça va réveiller, mais il y en a d'autres que malheureusement,
ces suicides-là vont avoir un impact, Oui, c'est ça. Ça va leur amener aussi l'idée de dire, ben, est-ce que je devrais faire ça moi aussi, là? Ouais, je comprends. J'en ai entendu malheureusement là, des histoires de, comme on dit, de familiales où il y en a plusieurs. Puis tu sais, on peut aussi penser aux communautés autochtones, aux Premières Nations, là, où il y a quand même beaucoup de suicides. Là, nous, on appelle ça du modeling, là, on appelle ça de l'imitation. Mais c'est ça, les personnes qui perdent des gens par suicide sont quand même beaucoup plus à risque que d'autres. J'avais lu ça en quelque part, même que c'était surtout, mettons, quand tu as perdu un parent par suicide, le pourcentage est élevé de danger ou tu sais, pour les enfants. Oui, Ça neuf. peut être des idées, tu sais, plus fréquentes. Oui, on dit que les enfants, les adolescents, si leur parent, un des parents suicide, ils vont avoir 9 fois plus de chances de le faire. Quand c'est un parent proche, mais pas nécessairement dans la famille plus élargie, là, ça va être davantage 3 fois plus de chances. C'est ça, hein? C'est ça. Moi, j'en avais quand même pas mal dans ma famille éloignée, là. Ouais. Ça a été au cœur de bien des peines dans ma famille. Beaucoup de tabous aussi. Secrets. C'est que ça vient avec tout ça, là, tu sais. Tout à fait. Ça arrive encore, je veux dire qu'on entend, non, on dira pas que c'est un suicide, on va dire que c'est une autre raison. Ouais, je me souviens. Ah oui. Même, pas juste dans ma famille, il y a d'autres histoires, là, tu sais, des gens que j'ai connus plus jeunes dans mon temps au cégep, de faire de même. Il y avait des profs. Fallait pas que ça se sache. Fallait pas. Tu sais, quelqu'un avait fini par savoir que c'était un suicide finalement. Puis là, fallait pas qu'on le dise. En tout cas, tu sais, c'est tabou. Mais tu vois, ça m'amène à. Parce que tu m'avais envoyé une liste. Puis je pense que j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en parler parce que. Bon, je vois rien là-dessus. J'ai quel âge? As-tu vu à quel point j'ai reculé? Comme si j'avais 77 ans. Bon, parce que tu m'avais envoyé un genre de quiz, mythes et les réalités au sujet du suicide, puis je les ai lus, mais j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en parler, puis je vois que le temps file, parce que je trouve ça le fun, c'est doux comme conversation. Mais On n'est pas dans oui. aucun jugement, on comprend que, tu sais, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Fait que les personnes suicidaires, un des énoncés, c'était les personnes suicidaires sont formellement décidées à mourir. Puis là, il fallait dire si c'est vrai ou faux. Mais moi qui y ai déjà pensé, je sais que des fois, c'était pas je voulais que ça finisse, mais il s'est déjà arrivé que je voulais mourir. Fait que les personnes suicidaires sont formellement décidées à mourir. Y a-t-il un vrai ou faux? Ah, il y a vrai ou faux? Parce que j'avais juste faux. J'étais comme shit, shit, shit. Je comprenais pas, là. J'étais comme ça marche plus. OK. Fait que, sont formellement décidés, ça doit dépendre. Ben, on en a parlé un petit peu tantôt, là. Moi, je pense qu'ils sont formellement décidés à arrêter de souffrir. Fait que ça serait faux à cause que c'est pas mourir. Ça serait sont formellement décidés à arrêter de souffrir. Oui, exactement. OK. Je comprends. Parce que je suis persuadée qu'on dit t'enlèves toute la souffrance, tout est réglé demain, là. Tu sens plus ce que tu sens, là. Je suis certaine que les gens vont dire, ah ben oui, je vais mourir quand même. Je comprends. Tu vois, tu le même à l'envers, j'aime mieux. C'est bon. Moi, l'agrandir, je vois rien. La personne devrait faire elle-même la demande d'aide pour s'engager dans une démarche. Ben, c'est faux. Ça peut être de l'entourage qui accompagne, qui suggère, puis que. Parce que ça. C'est effectivement faux. En fait, moi, étant donné que ça fait quand même 16 ans que je travaille, dans les débuts, dans mes premières années, on était beaucoup dans la responsabilisation. En intervention, on aime beaucoup ce mot-là, responsabilisation. Mais en fait, c'est qu'il y a des demandes d'aide que, oui, ont besoin d'être poussées par des proches ou par d'autres professionnels de la santé, entre autres. Les hommes, c'est pas tout le temps eux qui vont faire la première demande, ça va être la conjointe qui est inquiète ou les enfants ou peu importe. Fait que c'est ça. Moi, si j'ai un proche qui m'appelle pour un homme, ben même pour une femme là,
mais je vais la prendre en charge, la demande. Tu sais, je vais faire les premiers contacts. Puis une fois que la crise, ça sera diminuée, là, on parlera de responsabilisation. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis pour ça, la responsabilisation, mais je comprends que des fois, tu es tellement à terre. C'est pas possible que tu sois responsable de toi. Là, tu n'y arrives pas. Mm-hmm. Je trouve que ça redonne aussi de la possibilité aux autres d'être témoins, d'être proche, puis d'avoir de l'intérêt puis de la considération pour te donner un coup de main. Si on laisse juste la personne être responsable à 100%, c'est quand même le fun de savoir qu'il y a l'espace autour, les proches pour réagir aussi. Tout à fait. Il faut être lâche pour se suicider. Hey, moi, ça, là, ça n'a juste pas rapport à cette phrase-là. T'sais, on en a parlé tantôt. Toi aussi, tu disais que tu avais eu ces idées-là plus jeune. Moi aussi, j'en ai déjà eu. C'est vraiment pas lâche, se suicider. J'ai tellement de compassion pour quelqu'un qui le fait. Mm-hmm. Parce que je comprends, Christy. Je comprends. C'est pas lâche. Tu trouves ça lâche? Non, mais c'est pas plus courageux. Non, c'est pas plus courageux. C'est vrai. C'est pas plus courageux. Mais j'irais pas dire lâche. Je serais pas capable. Mais non, c'est pas lâche, c'est pas courageux. C'est, encore une fois, c'est pour arrêter de souffrir. C'est ça. On revient à... C'est vraiment pour arrêter de souffrir. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que c'est lâche. Je trouve ça bien insultant pour ceux qui ont de la peine et qui vivent des moments difficiles. Je trouve ça bien insultant. Mm-hmm. Je pourrais me fâcher, mais je vais pas me fâcher. Je vais aller au prochain point. OK. Poser la question ou parler du suicide encourage le passage à l'acte? Absolument pas. Genre zéro open bar, là. Il n'y a personne qui va dire « Ah, on a parlé du suicide aujourd'hui, je vais le faire. » Tu sais, voyons, c'est pas ça. Non, mais en même temps, c'est quand même une peur. Tu sais, souvent quand que... Je le vois vraiment... Je le vois avec des futurs professionnels quand je vais faire des conférences, exemple, en psychologie, en travail social ou tout ça. Je le vois vraiment... Ah, c'est comme si on ouvre un terrain qui pourrait être glissant. Ah, ça, je comprends. Fait que les gens ont peur de poser la question en disant, tu sais, est-ce que je suis en train de dire en ce moment que parce qu'il vit telle chose, telle chose, telle chose, qu'il devrait penser au suicide? Mais non, c'est pas ça qu'on dit. Non, c'est ça. Mais je comprends que ça peut être une question. Mais je comprends. Oui, oui. Ben oui, puis elle est légitime, là, cette question-là. Je fais souvent la blague de dire « Bon, à soir, regardez-vous dans le miroir puis dites le mot « suicide » 5 fois. Vous allez voir, il n'y a pas de monstre qui apparaît en arrière. » Ça, c'est drôle. Mais c'est pas facile. Tu sais, tantôt, je t'en parlais, je pense avant l'enregistrement. Vérifier la présence d'idées suicidaires chez quelqu'un, ça devrait être vu comme les signes vitaux qu'on prend quand on va au triage. La température, le pouls, etc., etc., ouais. Ben, vérifier que si la personne a des idées suicidaires, ça devrait être vu comme ça. Ouais, c'est vrai? Ben oui. C'est vrai. On devrait tellement poser la question beaucoup plus souvent. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'on a tellement peur que ça soit dramatique. Mais là, tu le décortiques tellement que je suis comme, c'est vrai que ça se demande. Tu as l'air de vivre des choses, je ne sais pas où est-ce que tu en es avec tes idées. T'sais. As-tu des idées suicidaires en ce moment? C'est-tu quelque chose qui te passe à... C'est pas une suggestion à le faire, c'est juste t'en es où? Oui. C'est vraiment comme un baromètre, c'est comme vérifier la température. Exact. Moi, j'ai compris. Tu me l'avais dit tantôt, là, tu viens de me leur dire, là, j'ai compris. Ça a pris 2 shots. J'ai compris. Tu disais, bon, le suicide peut se produire sans avertissement, mais tantôt, on a parlé qu'il y avait quand même des petits changements de comportement, il y avait peut-être des petites phrases qui sortaient. Donc, c'est faux. Toute personne suicidaire paraît être réprimée, c'est sûr que non. C'est sûr, il y a tellement de monde qui dit qu'on n'a jamais rien vu, tu sais. On peut aider une personne suicidaire sans être un professionnel dans le domaine du suicide. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est possible d'aider, même si on n'est pas... Je ne sais pas, moi, mettons, personnellement, si je me sentirais outillée pour ça, mais je sais que je suis capable d'aller chercher les outils pour ça, par exemple. Ça, c'est comme la différence, mettons. Oui, mais c'est pour ça que nous, on existe, là. C'est pour justement les personnes qui veulent savoir quoi faire. Qu'est-ce que je dois dire ou pas dire. Puis des fois, c'est, tu sais, une présence, être là, écouter. Puis des fois, d'essayer de dire, tu sais, on a vécu d'autres, là, difficiles, là.
Puis tu as réussi à t'en sortir. Là. Ça se peut aussi qu'en ce moment, tu arrives Ouais. à t'en sortir. Ouais. Les personnes qui menacent, entre guillemets, de se suicider veulent attirer l'attention ou manipuler les gens. Hey, ça, c'est tellement triste comme phrase. Si je peux pas croire. Peut-être qu'il y en a qui le font pour manipuler. Peut-être. Mais c'est plate qu'on pense ça comme au lieu d'accueillir. Mais en même temps, c'est ça, peut-être qu'il y en a qui le font. Ah, parle-moi, là, je commence à être. Je sais plus. Je commence à paniquer. C'est vrai qu'on a l'impression des fois qu'il y en a qui font ça pour manipuler. Dans différentes situations, il y en a que ça va être dans des situations malheureuses de violence conjugale. L'autre qui revient plus souvent aussi, c'est au niveau des personnes avec un trouble de personnalité limite. Étant donné que eux autres, leur intensité de souffrance est, elle peut être, elle passe de faible à, tu sais, extra en 3 secondes, des fois. Puis ils vont souvent, justement, aller lancer des messages d'alerte, aller régulièrement à l'hôpital. Souvent, c'est des personnes, j'ai envie de dire, qui sont malheureusement stigmatisées. Mais c'est qu'on sent juste pas l'intensité de la souffrance qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Puis ça fait quand même partie des troubles où il y a beaucoup de suicides. C'est-à-dire qu'il y a un taux de suicide quand même élevé avec la dépression. Fait que c'est ça. Il y en a qui disent, ouais, mais elle n'arrête pas de le dire, elle le fera pas. Faux. Fait que, mais c'est normal, par exemple, de sentir ces sentiments-là. Mais tu sais, moi, dans la vie, si je veux manipuler, ou attirer l'attention, je peux le faire de plein, 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 plein d'autres façons. Ouais, je comprends. Mais je suis contente qu'on l'ait décortiqué, par exemple. Donc, au final, là, c'est juste que si une personne parle de suicide, il faut toujours prendre ça au sérieux. Ouais, je comprends. Puis si à un moment donné, c'est un de nos proches, puis qu'on ne sait plus quoi faire, ben, il faut aller chercher de l'aide. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a, je veux dire, il y a de l'aide dans des centres de prévention du suicide, mais après ça, il y a des centres vraiment dédiés aux proches là, de personnes avec des problématiques en santé mentale. Je savais pas. Oui. Réseau avant de craquer, là, c'est un, mais qui relie d'autres. Je pense que c'est ça. Ça vaut la peine d'aller chercher de l'aide. Ben, Est-ce que je c'est correct mettrai. de mettre des limites, etc., là? Ouais, mais je mettrai les ressources que tu m'as données ou que tu vas me donner là, dans notre pause. Mais parce que là, je vois le temps qui file, mais toi, Geneviève, mettons là. Toi, tu travailles pour, là, je ne vais pas le dire comme il faut. C'est parce que j'ai l'envers les lettres de tantôt, j'ai peur d'inverser les lettres. Fait que dis-moi Le CPSA CPSA, le Centre de prévention du Prévention suicide à à Calgary. Acalmie. J'ai tout le temps peur de dire Acalmie, je ne sais pas pourquoi. Acalmie. Puis, mettons là, si on avait des conseils à donner aux gens, mettons qu'une personne, mettons qu'on le fait des deux bords, pour quelqu'un qui personnellement vit des choses difficiles en ce moment, ou pour quelqu'un qui voit quelqu'un qui vit des choses difficiles en ce moment, qu'est-ce qu'on peut comme suggérer? C'est quoi les premières choses à faire? Ben, si on part, mettons, d'un proche, là, tu sais, moi, je pense que c'est ça. Quand on a autour de nous, puis vraiment, c'est pour tout le monde, là, quand on voit autour de nous des personnes qui vivent des difficultés, en plus des difficultés qui ont des impacts, là, sur les raisons de vivre, là, tu sais, si une personne, par exemple, a peur l'usage, elle a un accident, puis elle a peur l'usage, mettons, de ses mains, puis là, qu'elle ne peut plus jouer de piano, par exemple. Là, je mets ça gros, mais bref, il devrait y avoir d'autres situations. Mais demandons, as-tu des idées suicidaires, tu sais? Puis tantôt, tu l'as bien amené. C'était vraiment super comment tu l'as amené parce que tu as fait, tu sais, en ce moment, tu vis des choses difficiles. J'aimerais ça vérifier. Ça te donne des idées suicidaires? Est-ce que tu as des idées suicidaires? Je pense que vraiment, c'est comme ça qu'on met la table. Puis, tu sais, au pire, la personne, elle va dire non.
Puis si son nom, des fois, parce que des fois, ça, on peut faire comment? Il a dit non, mais il me semble que ça, c'était pas. Il n'y avait pas l'air si sûr que ça. Ben, il dit des fois de juste laisser des dépliants, des choses comme ça, dans un centre de prévention suicide, le numéro, tout ça. T'sais, pour moi, ça se fait, ça se partage. Mais et puis aussi l'important, hein, parce que tantôt, quand tu as fait ton intro, tu as dit moi, je disais idée noire parce que tu sais, suicide, c'est un mot qui est lourd de sens, là. Mais vaut mieux demander as-tu des idées suicidaires? Parce que idée noire, c'est quand même très, très vague. Ouais. Quelqu'un pourrait dire oui, j'ai des idées noires, puis que c'est clairement pas des idées suicidaires. Moi, souvent, je repense à la chanson de Julie Mars. Ouais. J'ai des idées noires. Ouais. Puis c'est une rupture, là. C'est une peine d'amour. En tout cas, moi, j'entends pas qu'elle pense au suicide dans cette chanson-là, mais j'entends qu'elle a bien de la peine parce que. C'est ouais. En peine d'amour, là. Ouais, je comprends la différence. Je comprends que ça n'a pas le même impact, que ça n'a pas la même puissance non plus. Mais c'est mieux de clarifier parce que, tu sais, si ouais. On pense que la personne a des idées suicidaires puis finalement on est loin de ça, il y a peut-être une inquiétude de plus qu'on se rajoute puis que. Ouais, ouais. Qui n'est pas nécessaire. Ah oui, il vaut mieux valider. Là. C'est juste, je comprends par exemple, tu sais, en début d'entrevue, aller valider, je suis comme oui, mais irr, tu sais, mais puis là, ça s'est comme placé en moi, là, avec notre conversation. Puis même chose, veux-tu mourir? Est-ce que tu penses à t'enlever la vie? Est-ce que tu penses au suicide? C'est vraiment les deux options les meilleures parce qu'encore une fois, une personne pourrait dire « Ben non, je ne veux pas mourir et pourtant penser au suicide. » Ah oui, je comprends. Parce qu'on l'a dit tantôt, ce n'était pas nécessairement de vouloir mourir, mais qu'une situation cesse. La souffrance cesse, oui. Et ça, c'est quand même délicat. Mm-hmm. Le vocabulaire en lien avec tout ce qu'il y a comme autour des suicidaires. Mm-hmm. Le désir que ça cesse, qui n'est pas nécessairement le désir de mourir. C'est mm-hmm. ça, je trouve que c'est important de les placer, ces mots-là. Exact. Quand ils sont bien placés, ça. Ils ont un bon impact. Puis tu sais, après ça, si la personne n'y pense pas, mais qu'éventuellement, elle y pense, puis qu'on a montré qu'on était quand même à l'aise avec ce mot-là, puis à l'aise ouais. d'en parler ou d'accueillir ce qu'elle a à nous dire. Bien, ça se peut que plus tard, elle revienne en disant « Tiens, là, l'autre fois, tu m'as demandé si ça me donnait des idées suicidaires. Là, c'est vrai que j'en avais pas, mais là, c'était paru. » C'est vrai que ça se peut. C'est vrai. Puis, je reviens à pour une personne qui, en ce moment, écoute le podcast, mettons, puis qui a vie de la marre, là. C'est terrible. C'est une mauvaise passe, là. Puis, qui a des idées suicidaires en ce moment. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Bien, elle peut... Appeler au centre de prévention suicide, ça c'est évident, c'est là 24 sur 24, 7 jours sur 7. On n'est pas là pour, souvent il y a des fausses croyances, puis peut-être qu'il y a eu des expériences, tout ça, je peux pas juger de ça, mais en principe on n'est pas là pour vous envoyer personne à l'hôpital rapidement, là. On est là pour vous entendre cette souffrance-là qui existe, mais aussi aider à voir que malgré toute la souffrance, des fois, il reste quand même des petites choses, même si sont minimes, qui sont encore là puis qui donnent un sens ouais. à la vie. C'est ça, c'est qu'il y a de la possibilité d'être accompagné dans l'urgence. Tu sais, sans que ça soit comme tu appelles aussi. Mettons, tu appelles la. C'est quoi, c'est Santé Québec, je ne sais pas trop, là, le 811, 911, pas 911. Mais tu appelles, mettons, Urgence Santé. Oui. Il envoie à l'hôpital, tu es comme, voyons, tu veux juste des comptes. Encore là, tu sais. Info santé. Ouais, ben c'est info santé, info sociale. On peut aussi appeler là, mais dans le fond. Non, ce que je voulais dire, c'est que vous n'êtes pas, vous n'allez pas. Tu sais, parce que des fois, appeler info santé, c'est comme insultant. Ils vont dire, de toute façon, t'en allais à l'hôpital. T'es comme, non, mais attends, là, c'est des conseils que je veux. Mais info sociale, il est là aussi. Tu peux parler avec un intervenant. Ouais. Mais info sociale existe, mais. Aussi, les centres de prévention du suicide existent. Puis, c'est pas parce que tu appelles dans un centre de prévention qu'on va te dire de t'en aller à l'hôpital. Puis, sinon, là, moi, je dis que toutes les portes sont bonnes pour demander de l'aide. Oui, je comprends. Ouais. Les proches, mais ouais. Si, par exemple, moi, je vais dans une organisation pour, je sais pas, tu sais, si, mettons que j'ai des difficultés financières, puis que je vais dans une organisation là, pour les denrées, la nourriture, etc.
Mais il y en a des intervenants là, on peut aller se confier à eux. Ben, tu sais, il y a peut-être des endroits. Hey, moi, j'ai des employeurs. J'ai des employeurs qui m'appellent parce qu'ils ont un employé qui va pas bien puis qui s'est confié sur ses idées suicidaires. Ouais. Puis réellement, là, dans des recherches que j'ai vues, les employeurs, tu sais, mettons, il y avait comme des comparatifs. Mettons, je pense qu'il y avait des professionnels, des psys, etc. Puis il y avait des proches, puis il y avait des employeurs. Puis les employeurs, le niveau de satisfaction dans est-ce que toi, ça vous a fait du bien de parler à votre employeur, puis tu sais, est-ce que vous avez senti que vous étiez pris en compte puis pris en charge? Ben c'était eux qui avaient le meilleur pourcentage versus ouais, hein? des professionnels. Ah ouais, hein? Mais c'est quand même intéressant parce que des fois, ça peut être gênant d'aller le dire à ton employeur. Mais en même temps, si tu as une pression professionnelle, tu sais, ça peut peut-être aider à balancer. C'est quand même une avenue intéressante. Mais il y a peut-être des employeurs quand même que tu... Non, c'est pas, ça. Oui, c'est comme dans tout. Là, c'est comme dans tout. Mais il y en a d'autres que quand tu as un bon lien avec lui, que tu es capable de jaser, tout ça, ça peut être une bonne alternative. Ouais. C'est important, moi, je pense que c'est de ne pas rester tout seul avec ça. T'es pas tout seul à vivre ça, c'est sûr et certain. Mm-hmm. Puis vaut mieux de justement sortir de l'isolement dans lequel peut-être que tu es actuellement, parce que j'ai l'impression, moi, que plus que tu vas justement prendre le temps d'en parler avec des bonnes personnes autour de toi, des personnes qui vont te comprendre, tout ça, bien, qu'à un moment donné, tu vas voir que ça fait du bien, tu sais, puis ça permet, sans que tout change radicalement, mais que ça, des fois, c'est, tu sais, quand on a la face, là, ouais. sur le mur, là, ben, il y a du monde qui sont là pour te reculer, puis te dire, regarde, là, il y a d'autres possibilités, là. Ouais, c'est vrai que tu les vois pas en ce moment, mais moi, je vais t'aider à aller voir ces possibilités-là. Ouais. Ouais, pour de vrai, des fois, c'est juste de nettoyer les lunettes aussi, là, tu sais. C'est ça, toute forme d'aide, tu sais. Des fois, ça prend juste du doux. Mm-hmm. Des fois, on a juste besoin de mettre du doux sur quelque chose. Oui. Ah, mais crime, c'était vraiment le fun, Geneviève. Peux-tu croire aux 10 affaires de même? C'était le fun de parler du suicide, tout le monde. Mais pour de vrai, oui, parce que ça devrait pas être tabou. C'est quelque chose qui nous habite ou qui peut, peut-être pas tout le monde, mais qui peut habiter plein de gens. Des questions, des pensées, des idées, des écœurantes aiguës, des plus capables. Je trouve ça le fun qu'on puisse en parler avec légèreté, puis avec OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis il y a des gens qui sont bons là-dedans, des gens qui sont moins bons là-dedans, il y a des ressources. Tu sais, des fois, ça prend juste ça. Des fois, c'est vraiment vrai que la vie, c'est de la merde. C'est vrai, là. Ça arrive souvent. Mais c'est ça, le soleil. Je vais dire la petite crise de phrase. Le soleil, même s'il y a des nuages, il est encore là. Ah oui. Puis c'est ça, la souffrance, elle est pas de la même intensité tout le temps, toujours. Ça change. Il y en a des fois, c'est ça, que, comme on dit, sont malheureusement, ils ont une souffrance là, qui est quand même internalisée depuis longtemps, mais même eux, dans des moments de la journée, elle ne sera pas pareille. Non, c'est ça. C'est ça. C'est que des fois, quand on est dedans, on a l'impression qu'on est pogné dans un bloc. Mais exactement, c'est un bloc. Il y a d'autres choses autour du bloc. Puis tu sais, tantôt, tu parlais avec prévention du suicide, mais dernièrement, j'ai parlé avec une personne... une Brésilienne qui travaillait comme psychologue, travailleuse sociale, puis elle disait que là-bas, là, j'ai essayé de m'en rappeler, les centres de prévention du suicide, là-bas, s'appellent les CVV, les centres de valorisation de la vie. Wow! J'ai trouvé ça tellement beau. Oui, vraiment! Je me suis dit, bon, c'est le seul fun qui l'a flippé de bord. Oui. C'est intelligent. Bravo, bravo. Puis tu sais, moi, je me dis, mon Dieu, on devrait faire ça. Mais oui. On devrait faire ça parce que c'est ça qu'on fait. Oui, oui, c'est ça. On valorise la vie. On aide les personnes à justement à voir qu'il y a un petit bout d'espoir à quelque part. Oui. Ah, j'aime ça. Bravo, Brésil. Oui, exact, Brésil.
Hey, ben, un gros merci, Geneviève. Ça m'a fait du bien. Au début, j'étais comme toute smooth. Tu sais, j'étais comme, hey, on va faire ça, tu sais. Mais je suis contente de voir que c'est super ouvert. Puis qu'on n'est pas en train de juger la détresse. Puis qu'on comprend que ça arrive. Puis qu'il y a des bouts de marde. Puis des fois, c'est toute la vie qui est de la marde. Mais il y a quand même d'autres choses, des fois, à l'extérieur, tu sais. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, il y a des choses que tu sais que tu sais, comme tu sais conduire un auto. Il y a des choses que tu sais pas. Tu sais pas conduire un avion, mettons. Mais il y a des choses que tu sais pas. J'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de choses de la vie qui est dans le « on sait pas qu'on sait pas ». C'est vraiment excitant de savoir qu'on est toujours en possibilité de découverte. Oui, puis tu sais, moi j'ai déjà lu une phrase là, que c'était... tu sais, quand quelqu'un se suicide, il s'enlève pas la possibilité d'arrêter de souffrir, il s'enlève la possibilité de vivre le meilleur, des belles choses, etc. Ouais, autre chose, Si je peux me permettre, là, il y avait eu une personne qui a vraiment... Même les intervenants, à un moment donné, avaient plus beaucoup d'espoir, avaient beaucoup d'impuissance. Puis moi, j'étais comme, non, il faut le garder. Ça peut changer. Même s'il vit telle chose, ça peut changer. Puis un an ou deux ans après, j'ai eu des nouvelles comme quoi cette personne-là, à quel point elle était résiliente, puis qu'elle avait surmonté les difficultés que tout le monde peut-être se disait, hey, moi, dans pareille situation, là. Ah, mais c'est cool. C'est ça, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Ouais. Mais je trouve ça le fun qu'on finisse sur une note d'espoir parce que c'était ça que tu mentionnais tantôt qui était comme l'objectif. Oui. C'était de remettre l'espoir. Fait que je trouve ça le fun, on finit avec l'espoir. Yeah! Yeah! Merci aux gens de nous avoir écoutés ou regardés et ou les deux, on ne sait pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un projet qui est gratuit. Je veux qu'il reste gratuit. Ça m'aide à monter dans l'algorithme et être présente sur YouTube comme il faut. Puis faites des petits pouces, des commentaires. On aime toujours ça, lire ça, là, et moi et les intervenants. Puis ben, merci encore Geneviève pour ta passion bien transmise. Je vais mettre toutes les informations concernant le centre où tu travailles. Je sais que tu fais des conférences. Je sais que des fois, tu écris des textes. On peut te suivre peut-être sur Facebook. Je ne sais pas. Là, je vais mettre toutes les infos. Si tu as des choses à me dire, tu me diras. Moi, tout mettre ça dans le post. Ça marche. Et encore un gros merci. C'était un plaisir. Merci à toi, Mélanie. Bye. Merci. Bye.